Salut à tous les amis, ici Fant et tout seul, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis sur une planète inconnue après que mon vaisseau spatial ait explosé. Je me reste un petit pod qui m'a permis d'éviter de crever, et je suis sur une île, enfin sur une planète aquatique, relativement, enfin pas vraiment hostile a priori, hein, en tout cas pour le moment, et j'essaye de survivre petit à petit. La dernière fois nous avons découvert comment nous hydrater en attrapant les ersacs, ce sont des petits poissons. Qui contiennent un petit peu d'eau et qu'on peut recycler éventuellement en bouteille d'eau d'évian. Voilà, naturellement gazeuse. Hop. Et ça se mange. Alors attention, parce que Monsieur Lamantin a grosse couille, quand tu t'approches, il fait péter du poison. Et ça fait un petit peu mal. Je n'ai pas vu comment... Oh, toi, c'est lui là, l'eau d'évian. Voilà. Oh fuck. Nous nous sommes fait des palmes également. Nous sommes fait... Oh putain, des radiations détectées. Je sais pas où je suis par rapport à mon... Je suis peut-être un peu trop près de l'aurora. Ah, je suis en train de crever. Fuck. Je suis parti trop près, là. Ok, donc du coup, j'ai pris cher, hein, au niveau vie. On va revenir, on va essayer de pas mourir. Je crois que j'ai un truc de premier soin dans mon appareil. C'était... ici. Je ne sais pas encore comment les fabriquer, hein, les trucs de premier soin. Ah d'accord. Bah écoute, je vais le mettre. Parce que j'ai l'impression que c'est une option que j'avais pas vue pour ma vision. Regardez. For sensor en HUD module. Switch container. J'essaye de les mettre là. Non, ça passe pas. Hein. J'ai essayé. Ok. Ça doit pouvoir se réparer également, mais je ne sais pas comment on fait. Je vais me servir de ça pour faire une petite bouteille d'eau. Je vais utiliser mon premier soin. Premier soin que je n'ai aucune idée comment fabriquer. Survival, food. Ah, oh, on peut cuire, puisqu'on a un petit peu de sel. On peut cuire le Gary Fish. Voilà. Et je vais le manger tout de suite. Ah, et ça nourrit bien, hein, ça nourrit bien. Avec l'eau, ok. Donc là, au niveau santé, eau et tout, ça va bien. Je vais continuer un petit peu à faire le tour. Un compas. Ou un thermomètre. Ah d'accord, je peux fabriquer quelque chose avec ça. Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre? Computer chip batterie, un builder. Ah très bien. Je peux avec ça, je peux fabriquer des trucs pour des sous-marins. Fabriquer des sous-marins, d'accord. Ok, silicone, titanium. Alors ça c'est quoi? Dive reel, find your way back. Avec de la fibre x5. Je suis un petit peu surpris par tout ça. Radiation suite, alors du lead 2, je sais pas comment faire. Red briefer. First aid avec de la fibre x4 et du bleach. Bleach qu'on peut fabriquer à base de... bleach, donc ok, donc là j'imagine que c'est un truc à trouver. Je suis en mode découverte, hein, un petit peu comme vous, titanium et glace. Alors je peux fabriquer du verre ou pas? Hop, titanium, glace avec du quartz x3, d'accord. Donc si je voulais me faire un truc genre pour plonger plus longtemps, 30 secondes d'oxygène, je pourrais récupérer avec du quartz du verre. Enfin, faire du verre à partir de quartz. Ok, donc de temps en temps, j'ai un petit peu de framerate qui descend. Je vous rappelle, c'est un jeu qui est quand même en cours de développement. Mais on va essayer de trouver ce quartz. Ah, ils me font peur. Le problème, c'est que ça repop pas à l'infini. Alors, ça se trouve, j'ai déjà nettoyé la zone, mais vu que j'ai pas le sens de l'orientation... Enfin, en même temps, c'est pas évident d'avoir le sens de l'orientation dans des conditions pareilles. Allez, 3 quartz. 1. J'en ai combien, d'ailleurs? J'en ai 2. Il me manque plus qu'un. Ah, attention. Radiation. J'y vais quand même, en mode... je ne respecte rien. C'est par là-bas.
Il va falloir vraiment que je fasse gaffe, hein, que je parte dans la direction opposée à l'Aurora. Donc ce n'est pas un guide pour bien débuter, hein. Je suis en train de découvrir en même temps que vous, on va essayer d'en profiter un maximum. Je pense que quand le jeu sera terminé, je reviendrai dessus avec toutes les améliorations. Je pense qu'il y aura des améliorations qui seront de l'ordre du design, mais aussi des constructions et compagnie. Hein. Du coup, je vais fabriquer du verre. Ah putain, bah, j'en ai pas assez. Silicone. Titanium. Lead. Ah. Il me faut du quartz encore. Il me faut du quartz, on a dit, dans la direction opposée à l'Aurora. Hein, pour se retrouver. Ok, jusque là tout va bien. Et si on les tuait ces machins là? Juste pour voir. Être en accord avec l'écosystème. C'est moi le boss ici mec. Hop, ok, d'accord. Pour l'instant, pas de souci avec ça. Je peux pas le prendre, il est juste mort. Ok, j'ai tué une créature innocente. Plus innocente que ça, c'est pas possible. D'accord, vraiment j'ai honte. Je mériterais une mort atroce. Alors, mais je suis... L'univers va se venger, rassurez-vous. C'est moi, il y a des couilles qui explosent sans raison. Allez, du quartz. Ah, j'en ai là. Alors, je me suis complètement oublié ce que j'avais fabriqué avec ça. Je sais, du verre pour me fabriquer, je crois, un tank, c'est-à-dire un réservoir d'oxygène. Ok, la nuit est en train d'approcher, ils sont en train de me prévenir. Good. Survival. Hop. Alors, hop, 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 du verre. Bon bah dis donc, on est pas trop mal barré hein, pour des mecs qui sont foutus. Et... une bouteille d'oxygène. Qui est là. Et je suis à 100 en autonomie, ce qui est plutôt bien. On a dit on s'éloigne de l'Aurora. Par réflexe. On va voir un petit peu ce qui se passe dans la nuit. N'oublions pas de récupérer de quoi manger. La nuit, on les voit briller, hein, le quartz. Hein, c'est plutôt sympa, d'ailleurs. Ça, c'est plutôt bien. N'oublions pas la limestone. Donc, ah, oh, c'est quoi, ça? Dis donc, je connaissais pas, lui. Attrape, monsieur. Attrape. Overfish. Ah, trop sympa. Ah, ok. J'ai l'impression que c'est pas très gentil. Ok. Ah, ah. Pardon. Ah bah il fait nuit, hein. C'est normal, je crie. Alors. Ah fuck. Hey, c'est des bestioles, elles s'approchent de moi. Mais il y en a partout. D'où c'est dangereux ce jeu. Bon, au début j'étais bien, on était là avec le petit vaisseau. Les air sacs, ça, les sexes volants. C'était bien. Maintenant ça devient dangereux. Ah d'accord. Ils ont analysé la créature. Oh, medium size but pure. Ok, très intéressant. Du coup, je peux pas fabriquer, j'ai pas eu de vessels. J'ai eu un overfish que je peux pas cuire. Ouais, bon, navré hein, pour le bruit. Je vais quand même faire du titanium à base de mes scrap metal parce que ça prend vachement de place le scrap metal. Hop, qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Pipe. Récupérer de l'oxygène sur la surface. Vraiment, je ne sais pas comment on fait. Alors, silicone x2, lead x2. Je suis vraiment en train de chercher ce que je peux faire d'intéressant. Un builder.
Et je peux faire des modules sous-marins. Et des bases, d'accord. Et ici, Sea Glide. Copper Warrior, Power Cell. Ça, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air super bien. Constructeur. Fabriquer des véhicules. Ah ouais, carrément. Bacon, pour marquer une location. Current Generator. Strong Current. Small Storage Cube. Donc on peut faire un coffre. Ok, donc je vais fabriquer un Sea Glide, ça va être l'objectif de cet épisode. Donc il me faut une Power Cell. Une Power Cell, comment je vais fabriquer ça? Ah, c'est pas pareil, c'est deux batteries. Ah d'accord. Il me manque trois acides, mais je vais les chercher tout de suite, c'est vraiment quelque chose de très facile à trouver. Ils sont là, ils sont à proximité, personne ne viendra m'embêter. Il ne peut rien nous arriver d'affreux maintenant. Rien du tout. Ne m'approchez pas, créature démoniaque. Hop. Clac, batterie, batterie, une batterie. Hop, un deuxième. Une power cell. Il va me manquer du silicone, silicone qui se fabrique. Avec deux quartz. Donc il me manque un quartz. On a dit, on part en position opposée à l'aurora. Le soleil va bientôt se lever et c'est la fin de la psychose du Fantasio. Pensez que je peux passer dans le trou. Ah ah, oh putain. Ok, là j'ai pris cher. Oulala, je suis désolé les mecs. Du quartz. Ça c'est un poisson, c'est un creeper quoi. Alors, ce qu'il y a c'est que je n'ai pas de notion de... Dans cet univers, je n'ai pas de notion de gestion de l'espace, je me perds. Je me perds vraiment. Ok. Alors, tac, batterie, power cell, silicone. Silicone. Donc du coup, on va se fabriquer la power cell. Et l'objectif, je vous le rappelle, était de faire un Sea Glide. Et il me manque un copper wire. Copper wire, je crois que j'ai ce qu'il faut. Ah bah non, il me manque deux copper or. Un copper or. Ok. Alors, les copper or, si vous vous rappelez, c'est la limestone. C'est ces petites pierres jaunes. Qui sont des résidus calcaires, là. Qu'on va retrouver accrochés sur les murs. Ça, c'en est pas. Tellement beau. Là, c'en est. Alors, est-ce que c'est du cuivre? Oui! Que demande le peuple? Que demande le peuple? Un Sea Glide. De l'oxygène à ne plus savoir qu'en foutre. Hop. Sea Glide. Ah putain, mon inventaire est plein. D'accord. Trois titanium, un quartz, computer chip. Avec l'acide, je peux faire quelque chose, je crois. Non. Ce serait bien que j'utilise l'acide. J'ai oublié comment, avec quoi l'acide s'utilise en fait. Non. Ah, batterie. Si j'avais du cuivre, je pourrais faire une petite batterie en stock en fait. Oh. Très intéressant. Vu la quantité... Alors ça, j'aimerais les supprimer en fait. Comment on fait pour les supprimer? RMB to drop. On va pas foutre le bordel ici. Hein. C'est ici qu'on va foutre le bordel. C'est complètement inutile de stocker ce genre de truc qu'on retrouve abondamment.
putain, c'est génial. Comment je fais pour le déséquiper? C'est vraiment génial. Attention, radiation. Évidemment, je suis parti dans la mauvaise direction. Très intéressant. Alors, c'est le raccourci numéro 5. Pour le trouver, et on va comme ça naviguer davantage dans ces histoires. L'objectif du jour est atteint. Est-ce que j'aurai le courage d'aller plus loin? Ça, c'est vraiment autre chose. Ah, en plus, il y a un... Il y a un truc comme ça, d'accord. Est-ce que si j'avais eu le Siglide, j'aurais pu le prendre? Ça, c'est aussi la question. Est-ce que je peux attraper des choses? Oui, je peux attraper des choses avec... l'aéroglisseur. Alors, a priori, les maps sont générées de manière un petit peu random. Alors attention, parce que nous, on va devoir manger. Et ça, c'est pas mal pour manger. Dis donc, tu voles, toi? What the fuck? Ok. Oh putain, ça les tue. Ah! Ah bah, il fait des bruits aussi. Oh là là. Il fait des bruits! Ah, inventory full. C'est problématique. Du coup, qu'est-ce que je peux jeter? Scrap metal, on va garder. Je vais jeter ça, ça, ça. Et même si c'est pur, on va le jeter. C'est énorme. Énorme. Alors, attends. Là, du coup, niveau autonomie, maniabilité, je suis au top. Hein. Ça, c'est ce que j'ai dû balancer, donc je vais être pas loin du pod. Ok, ça, c'est de l'eau. On prend. Hop. Petite saccade. De l'eau, on prend. Ok, donc il me dit j'ai faim. Je suis d'accord, mais tu sais quoi, je vais essayer de bouffer du sel en fait. Ça c'est mort. C'est mort, mais ça doit être bon à manger quand même. Du sel, ça ressemble à un petit sac en... un petit carré. Ils font des bruits, c'est incroyable. Un petit carré tout blanc. Comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir jeter? Pas grand-chose. Mais en fait, rien. Je vais rentrer. Je vais rentrer, je vais poser quelques affaires. Ok, on y est, les amis, on y est. Ça, c'est mon coffre. Dans le coffre, je vais laisser... Non, je vais rien laisser. Je vais simplement transformer le scrap métal en titanium, puisque ça prend énormément de place, le scrap metal. Hop, du coup le titanium, ça prend moins de place, ça prend moins de place, mais on pourra le stocker. On va le stocker. Alors je sais pas vous, mais moi je suis hyper enthousiaste avec cette série. Titanium, c'est fait. Je pourrais faire un titanium ingot, mais je n'en aurais pas forcément l'utilité immédiatement. Je crois que mon inventaire a été un petit peu nettoyé. On va stocker ça bien à l'abri. Il faudrait voir si on a possibilité avec le titanium ingot ce qu'on peut faire en fait. Si c'est un truc essentiel, bien sûr. Ça sera une manière un petit peu de nettoyer ce qu'on possède. Je vais remettre la computer chip, on sait qu'elle est là. Et du coup, j'ai à peu près tout ce qu'il me faut sur moi. On va manger, bien sûr. Alors, salle déposite. On est obligé de manger un... On a faim, mais je vais pas gaspiller mes sources d'eau. Je préfère prendre un autre type de poisson, genre le piper.
Hop, ça cade un peu. Piper, Piper, Piper. Viens, je vais te manger. Je vais te manger, Piper. Piper! Reviens, Piper! Piper! Voilà, Piper. Merci. Ça, ça se mange aussi. Voilà. Ah, vous avez vu, maintenant, je suis le roi d'esquive. Hein. Oui, oui, j'ai faim. J'ai très faim. D'ailleurs, je crois que ça va être assez problématique, puisque non seulement j'ai faim, mais j'ai soif. Et je crois qu'au niveau faim, ça va être un peu juste. Oh, cool. Hop, de la flotte. Et on continue avec la flotte, hein, c'est une bonne idée. Question, est-ce que j'ai encore un peu de sel? Non. Donc on va... C'est vraiment un truc à ne pas rater, le sel avec le quartz, j'ai l'impression. On va tout boire. Lui, il n'est pas cuisiné. Les fragments d'analyzer, comment j'utilise? Ah, blueprint, les mecs, regardez-moi ça. Oh, bah putain! On peut fabriquer des trucs vachement puissants là-dedans. Specimen Analyzer. Il me manque le blueprint. Une fondation, titanium x4. Ok, très intéressant. Un constructeur. J'ai le constructeur blueprint. Il manque une power cell et un titanium ingot, ça. Oh, et après je pourrais fabriquer ce genre de truc. Quand j'aurai le constructeur, je peux fabriquer ce genre de truc. Il y a tellement de choses à faire, tellement les amis. Tellement que on va s'éclater ensemble. D'abord, comment on fabrique un truc de soin? De soin, c'est de la fibre et du bleach. Mais bleach, je sais pas comment on l'obtient. Je vais me renseigner pendant le week-end. Bleach, non. Comment? Et la fibre, fiber. C'est un truc à trouver aussi. Donc je vais me renseigner pendant le week-end, les amis, puisque je vous aurai, je vais faire une petite pause. Moi, je vais me reprendre cette série lundi ou mardi avec un petit peu plus de connaissances. Bon, déjà, on a un équipement de base qui est quand même complètement appréciable. Je vais essayer de trouver du sel rapidement pour assurer ma santé physique. Attention, messieurs grosses couilles. Il faudrait qu'on ait un peu plus d'informations sur ce poisson. Pas celui-là. Celui qui m'a attaqué l'autre jour. Là. Alors par contre, le titanium, j'ai pas besoin de beaucoup plus. C'est moi ou il y a un truc ici? Alors, vous savez quoi? Je vais me faire un compas. Je suis obligé. Je peux pas me plaindre pendant deux vidéos que je sais pas où je suis sans prendre de compas. Bon, j'ai trouvé du sel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va être notre objectif, se faire le compas et puis se renseigner un petit peu sur ce qui me manque pour aller un petit peu plus loin dans mon équipement. Et c'est vrai que pour l'instant, bah, je tourne un petit peu dans l'aquarium local, quoi. Je prends pas, j'ai pas pris des risques phénoménaux. Cela dit, je vous avoue que ça m'a l'air quand même dangereux pour une petite bestiole de mon espèce. Je suis désolé pour ton frangin. J'ai pas fait exprès. Oui, je sais, c'est pas vrai. Mais... Il est pas censé le savoir. Attention, radiation. Ok, ça c'est vraiment... Le air glider, c'est vraiment un super truc que j'ai trouvé. Et puis c'est tout, hein. Plongée début de semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager la série ainsi si vous découvrez, si vous voulez faire découvrir à vos amis. Je vous dis à très bientôt sur Fantabob Games. N'oubliez pas nos nouvelles séries également. Bob sur Witcher qui fait un carton phénoménal. Discapiste dans Alcatraz qui continue. Et bien sûr, les séries habituelles The Quest et The Dream sur la chaîne The Fantasy 974. Ceci étant dit, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. C'était Fanta. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe sur le toit. Je peux pas aller sur le toit? Bah si. Ah, j'aime les jeux où il y a de l'eau. Allez, bise !